Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Julien Guirado qui n'a pas apprécié cette photo qu'Alix a postée ce matin sur sa meuf Marine et sa sœur Océane. Du coup, il a pris la parole pour tacler Alix et lui dire d'arrêter. Je vous laisse lire les messages qu'Alix a postés et ensuite je vous laisse écouter Guirado. Bon les amis, j'aime pas trop faire ça, mais bon ce matin voilà, j'étais au sport, il y a Marine qui vient me voir, elle m'explique un peu que qu'Alix s'amuse à faire un peu des montages sur elle et Océane qui est sa soeur jumelle, donc ça lui fait de la peine. Voilà, moi Marine c'est ma femme et j'autorise personne à faire des montages sur elle, des trucs de merde d'avant, d'après, je m'en bats les couilles. Alix, je t'ai respecté parce que tu es l'ex d'un mec que j'apprécie, que je respecte et qui pour moi est un mec bien. Maintenant, là, tu as dépassé un peu les bornes, tu as dépassé les limites. Et du coup, moi, je vais prendre les patins de ma femme, parce que oui, c'est ma femme. Et je vais t'expliquer, ne parle pas de pute, ne parle pas de passif quand tu étais sur Viva Street, mon ami. Déjà, première chose, voilà. Tu as rencontré Benji, c'est comme si tu avais gratté le bon ticket du loto. Ça non plus, ne l'oublie pas. Maintenant, je voulais pas trop remonter loin, mais vu que tu veux parler de passif, tout ça, n'oublie pas, mon ami, que quand tu étais ma prétendante à la Villa des Cœurs Brisés, tu venais tous les soirs avec une frontale. Maintenant que les épisodes des Marseillais te plaisent pas, éteins la télé. Que tu étais amoureuse de Benji, soi-disant, sauf si après on va en parler parce que il y en a qui n'ont pas toutes les infos. Moi j'en ai quelques-unes. C'est un fait, d'accord? Maintenant que tu te fasses passer pour la victime sans arrêt, si toi t'es une politicienne et si les gens sont assez cons, voilà, pour te croire, ça leur appartient. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est trop facile de blâmer Benji et Océane pour un bisou. Alors que toi, on sait ce que tu faisais, hein? C'était pas avec des choristes, hein? Avec un certain rappeur dont je tairai le nom. Ça y allait, ça y allait. On s'est compris. Donc, fais attention de qui tu parles, à qui tu parles, sinon on va rentrer dans le détail. Dans le détail. J'ai pas envie, moi. Tu vois, juste, tu fais pas de montage sur ma meuf. C'est tout, tu fais pas de montage d'avant, après, machin. Regarde, tu fais ça. Allô, tu as vu des photos de toi avant, tu ressemblais à un punk, frère. On a envie de te jeter deux balles, une pièce de 2 euros et deux coquillages.